Hey, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien, c'est Valash, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo sur des Funko Pop, ça fait un petit moment mais du coup qu'on en avait parlé. Quand j'avais fait l'ouverture des Funko Pop avec la Superman etc etc. On avait eu les Spider-Man qui sont juste ici. Et du coup bah, c'est la suite de la collection, je crois qu'on en a une qui est hors série, je sais plus. Enfin on va commencer tout de suite. Ce petit colis. Alors ça va être laquelle? Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu ce que je vous avais dit, ce qui nous manquait pour cette collection là. Ok, alors celle-là c'est ma préférée. A savoir que dans toute cette collection, dans les Spider-Man Homecoming, les têtes, si vous n'aimez pas les têtes qui bougent avec le ressort, dans cette collection, elles ont toutes. Donc si vous n'aimez pas, bah, du coup prenez pas cette collection. Donc du coup on va se faire le Spider-Man avec sa veste jaune et son casque. Celle-là elle est vraiment super classe, je l'aime beaucoup. Voilà, déboxer, on va regarder ça plus près. Franchement, je l'aime beaucoup, celle-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Hop! C'était vraiment mon coup de cœur. Regardez-moi ça. Elle est pas super classe. Elle est vraiment super jolie. Je trouve qu'elle est vraiment super classe. Le casque et tout, les détails, comment ils sont faits, c'est vraiment super stylé. Franchement, à la cave, chez nous, franchement, tout est super bien fait, ils ont même oublié le logo Spider-Man qui est juste à côté. Deuxième colis qui est juste ici. On enlève le papier. Ah bah ok. Toujours Spider-Man Homecoming. Et c'est du coup le Peter Parker, donc sans déguisement en fait. Donc c'est Spider-Man sans déguisement. Donc c'est Peter Parker classique, bien vu. Peter Parker. Voilà. Classique, donc il n'a pas de déguisement. Il est juste lui-même avec son t-shirt, avec un atout de je sais pas quoi, c'est pas scientifique. Donc je sais pas. On va regarder ça tout de suite ensemble de plus près. Ah, je casse tout. Hop. Par contre, lui, sa tête bouge vraiment beaucoup, beaucoup. Donc avec sa petite raie sur le milieu, franchement, les cheveux, les détails sont vraiment super. Franchement, ils sont juste géniaux. Le sac à dos, la petite plume, ou je sais pas quoi sur le côté, je sais plus trop à quoi ça ressemble. Franchement, ouais, les détails, les pliures sur le jean et tout, franchement, les détails. Les Funko Pop sont vraiment super. Par contre, les chaussures au niveau de la peinture sont un petit peu ratées. J'essaie de vous montrer. Je sais pas si ça va le faire. Focus. S'il vous plaît. Non, pas trop bien. En fait, il y a de la peinture ouais, blanche qui bave un petit peu partout. Donc, c'est pas forcément le mieux. Mais bon, que vous les poussez comme ça. Et cette fois, c'est retour. Donc, du coup, dans cette collection, il va nous manquer juste Tony Stark en fait. C'est juste le Tony Stark qui est juste ici, celui-là, je ne l'ai pas, donc c'est juste celle-là qui va nous manquer pour compléter la collection, les autres, on les a. Et d'ailleurs, moi, ce qui me surlupine, c'est que la Funko Pop avec le casque, là, vous la voyez sur le côté, elle fait partie aussi de cette collection, mais elle n'est pas dedans, donc ça doit être une mystère, ou je n'y connais pas trop là-dedans, mais il n'a pas non plus de... d'autocollant pour dire que c'est une exclusivité, donc je sais pas du tout. J'en sais rien du tout, je sais pas. Je sais pas. Ok, donc on va se la déboxer. Hop. Comme ça, et celle-ci, elle est juste génialissime. C'est juste. Après l'autre, ça... et encore, c'est peut-être même ma préférée, même si c'est le vilain de. Spider-Man Homecoming, je suis désolé, mais il est génial, il est juste magnifique, il est super stylé, franchement, il n'y a rien à redire, les détails sont géniaux, les ailes, les réacteurs, les pattes, enfin, c'est vraiment tout son costume, tous ses trucs mécaniques et tout, ses lunettes, enfin, c'est vraiment un truc de fou, tout est super bien fait, franchement, que dire de celle-là, à part qu'elle est sublime, super bien, super jolie, super magnifique, franchement, celle-ci, c'est vraiment un fou. Elle vaut largement le coup. Moi, tout ce que j'ai eu aujourd'hui, j'en ai eu pour 34€, je crois. Et j'ai pris sur Amazon, le site c'est Musique pour vous. Donc en fait, je vous mettrai en lien dans la description et vous avez toutes les Funko Pop entre 9, 8, 11€. Donc franchement, ça vaut largement le coup. Donc si vous voulez des Funko Pop à bas prix et compléter vos collections, bah, je vous conseille largement d'aller sur une Musique pour vous. C'est vraiment le top du top. C'est celle-ci. Ça n'a rien à voir avec Spider-Man du comic, c'est un Spider-Man classique. Ouais, j'étais à fond dans les Spider-Man, là j'étais inspiré dans les Spider-Man, j'ai tout dessus. Par contre, dans cette collection, c'est le seul qu'on aura.
hop, il est comme ceci. Je le trouve plutôt stylé, plutôt sympa, plutôt original. Même s'il fait un petit peu jouer bébé, etc. Mais je le trouve sympa et original. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Les détails ne sont pas non plus sublimissimes comparés aux autres. Et dans cette collection, ouh, j'ai du mal à parler, ça va pas faire. Dans cette collection, nous avons Spider-Man, Iron Man, Wolverine, Captain America, Red Skull, Hulk et la chose des 4 fantastiques. Voilà, je vous montre un petit peu tout ça. Et je n'achèterai en fait logiquement aucune d'entre elles parce que je les trouve pas forcément super jolies. Je trouve qu'elles sont très bébés et franchement, c'est pas mon truc. J'avais pris celle-là parce que c'est Spider-Man et je trouvais qu'elle était plutôt stylée. Et je me suis posé la question d'ailleurs si le fait que ce soit des Marvel, pardon, en fait si vous m'entendez bien avec le la boîte, le fait que ce soit des Marvel, je me demande si c'est pas justement ça qui fait qu'ils ont la tête qui bouge dans tous les sens. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas, les likes, ça fait super plaisir pour la chaîne, ça aide énormément. Va y avoir des petites surprises dans cette prochaine semaine, si ça retarde pas. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, etc. N'oubliez pas, suivez-moi sur Twitter et sur Facebook si vous voulez plus d'actualités, plus de choses, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Partagez sur les réseaux sociaux, ça fait un maximum plaisir aussi. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, c'est gratuit, donc abonnez-vous. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, je vous fais plein de bisous. A bientôt et prenez soin de vous. Bye tout le monde.